What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le top 10 du mois de novembre. Alors déjà je suis désolé pour le mois d'octobre, il n'y en a pas eu. J'en avais promis un par mois, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais maintenant je vous le promets les gars, j'essaierai d'en faire tant que possible un par mois. Si je pars pas en vacances ou quoi, j'essaierai vraiment de vous en faire un par mois, voilà. Alors déjà j'ai dû faire un choix ce mois-ci. J'ai eu vraiment beaucoup de clips, à peu près 150 clips à peu près. Je les ai tous regardés, ne vous inquiétez pas. À part les liens qui marchaient pas ou les liens Google Drive que j'arrivais pas à ouvrir. Et du coup, alors j'ai dû faire un choix. Ce top 10 est orienté uniquement vers les multi-kills au super. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que c'est dommage je trouve de passer à côté de certains clips. Je préfère directement faire un top 10 plus spécifique. C'est vraiment très difficile des fois de différencier par exemple une multi-kill au super qui peut être très importante à une triple feed headshot au sniper qui peut être vraiment très jolie à regarder. Du coup je préfère faire par thème. Pour moi c'est beaucoup plus simple et je pense que pour vous ça sera beaucoup plus sympa également à regarder. Voilà. Alors comment faire pour participer? Déjà il faut envoyer uniquement des clips YouTube, voilà, donc vous envoyez le lien par mail. Pourquoi? Parce que les liens Google Drive, alors ça marchait pas tout le temps, alors je sais pas si ça vient de moi ou de vous, en tout cas voilà, c'est pas très stable j'ai l'impression, et je préfère vraiment les clips YouTube, les clips qui sont filmés avec les téléphones, les gars, je peux pas, parce que franchement ça va gâcher la qualité de la vidéo, donc ça, oubliez également directement, pas plus de 1 minute, j'ai encore eu des clips de 10 minutes les gars, je vous jure, c'est impossible, imaginez, je dois regarder 150 clips de 10 minutes, non, franchement c'est impossible, un clip par personne, et envoyez bien une seule fois le mail. J'ai eu vraiment plusieurs fois le même mail. Envoyez-le une seule fois, vous inquiétez pas, je regarde vraiment tous les mails. N'hésitez pas également à mettre le thème de la vidéo dans l'objet du mail, voilà. Et votre mail est à envoyer à zombiefactory@gmail.com. Et enfin, le dernier critère, c'est d'être fair play. On n'est pas là pour gagner la coupe du monde, les gars. C'est moi qui fais le top 10, c'est pas vous. Peut-être que d'après vous, il aurait été différent. Peu importe, on est là pour regarder des clips qui sont vraiment très jolis. Et c'est parti avec la 10ème position. On a Kirua, il est en domination, il est en Arcaria, il se réa. Donc vous le voyez, on est à la fin de la partie au niveau du score. Et là il va faire que de l'attaque de mêlée, mais il va vraiment les gifler, vous voyez. Donc il a déjà fait 2 frags. Hop, le 3ème, il se retourne, il y a encore du monde, hein. Le 4ème, la partie est finie, il continue, c'est pas grave. Et le 5ème, vous allez voir, et puis au passage, il va valider un contrat, il me semble, s'il me souvient bien, voilà, gifle de fer, bien joué à toi. Alors à la 9ème position, j'ai fait le choix de mettre 2 personnes, parce que les 2 supers sont vraiment similaires, vous allez voir, c'est 2 titans assaillants. Donc le premier, c'est Monsieur Lion 33B, vous allez voir, donc il attend, il a vu que les lourdes étaient là, hein. Il attend, il tempo un petit peu le temps, hop. Et là il voit, il reste 4 secondes avant les lourdes, il rush, il fait son petit saut, et il met son assaillant, c'est magnifique, il empêche l'ennemi de prendre les lourdes tout simplement, il fait 5 frags, bien joué à toi franchement, un gros GG, ça c'est super franchement quand t'arrives à claquer ton assaillant pour enlever les lourdes à l'ennemi, il n'y a rien de mieux. Et le deuxième c'est Carlop 19, alors là c'est la même chose sauf que l'ennemi est en train de prendre le drapeau C. Il met son assaillant, il fait pas de détails. Il y avait un ennemi qui buguait d'ailleurs au passage. Et il fait 5 frags, franchement un gros GG. Ça c'est le genre d'assaillant qu'on aime bien mettre. Il fait vraiment très mal, ça claque. Ça fait du bien. Allez, à la 8ème position, on se retrouve avec Orochi Lucas 59, donc lui il est en pistolero, vous allez voir. Et là il se retourne, il fait un premier frag. Hop, il rentre sur le point A, on est en domination, il va faire un frag au loin. Le mec il voulait se barrer, il se retourne, encore un frag. Là son pistolero fini, il a vu que le mec était low life. Un petit flash cop en body et il se retourne, le dernière parole pour le 5ème frag, franchement bien joué à toi, c'est magnifique, ça passe crème, franchement gros GG à toi. À la 7ème position maintenant, on se retrouve avec I'm Scalpers. Donc il fait sa première petite frag avec son arme principale tranquillement, en suprématie. Il voit que la savon Nova, il fait quoi? Il recule, il vise le ciel, il attend, il attend. On a tous déjà essayé ça les gars, franchement moi j'ai jamais réussi. Et lui? Ah franchement, puis j'ai adoré la réaction, un petit peu sur la retenue, franchement magnifique. Un gros GG à toi, c'était très très joli de ta part. À la 6ème position, cette fois-ci j'ai encore mis 2 personnes, vous allez voir, parce que ces 2 clips sont encore similaires pour moi. On est au niveau des munitions lourdes, le premier clip c'est KK62, vous voyez, il a son super qui est chargé, il tampoie un petit peu, il voit que les ennemis se jettent sur les lourdes, il saute, il claque sa bombe Nova, il fait 5 frags, c'est magnifique, et le 6ème au fond de la map. Bien joué à toi, franchement, le full team au niveau des munitions lourdes. Je pense que tes coéquipiers ont envie de te faire un gros câlin. En tout cas, franchement, un gros GG, c'est vraiment magnifique. Et le deuxième, on est avec Nagasaki07 cette fois-ci. Et lui, même chose, full team. Lui, il a tué les 6 avec sa Nova au niveau des munitions lourdes. Franchement, c'est magnifique. Quand ça se passe comme ça, franchement, ça fait vraiment plaisir.
A la cinquième position, on se retrouve avec Snake the Crawler, même chose, il attend les lourdes, il met sa Nova, c'est vraiment magnifique, il fait 4 frags avec sa Nova, comme ça les ennemis ont plus les lourdes, il continue, il prend son fusion, hop, le petit saut TP, l'ennemi il est carrément désorienté, il le tue, il le salue, il n'avait pas vu un deuxième qui arrive, hop, c'est magnifique, et le petit dernier pour 7 frags à la suite, 4 à la Nova, trop fusion, franchement magnifique, franchement un gros GG à toi, j'ai adoré ton clip. A la quatrième position, on est avec Maxen0808. Alors là, il est avec son lance-roquette. Il fait un premier petit frag ici, tranquille. Sans grande difficulté, j'ai envie de dire, avec le lance-roquette. Hein. Il va continuer, hop, un autre ennemi qui arrive. Et là, il garde le lance-roquette en main. Vous voyez, il est en suprématie. Il garde le lance-roquette en main. Alors, il n'avait pas vu qu'il avait plus de roquette. Il pensait qu'il y en avait plus que ça. Vous allez voir, il va se pointer face aux ennemis. Il a envie de tirer. Ah, mais t'as plus de roquette, mon pote. Et il lance un Nova. Et il nous sort 5 frags, les gars. 5 frags à la Nova. Alors, franchement. C'est magnifique, il s'y attendait pas, il avait son lance-roquette en main, il sort sa Nova, il fait 5 frags, franchement, un gros GG à toi, ça a dû te faire plaisir celle-là. A la troisième position, c'est Kev Duel, et là vous allez voir, on est avec un épiste, il lance son épiste, on est à la fin de la partie là, en domination, hop, on a 3 frags, 4 frags à la suite en épiste, c'est vraiment magnifique, il se fait rusher, il lance la petite grenade fluctuante, hop, il colle l'ennemi, c'est vraiment magnifique, encore un haut pompe. Il continue encore avec son pompe, l'ennemi qui lance sa flèche, la partie est finie, il faut encore un frag au pompe magnifique, 4 frags à l'épéiste les gars, et 4 frags au fusil à pompe, il les a violés, franchement bien joué à toi, un gros GG pour ton clip. A la deuxième position, on se retrouve avec ONG09, alors vous allez voir, c'est pas le clip dans lequel il y a le plus de frags, mais par contre, qu'est-ce qu'il est important, regardez le score, on est à la fin de la partie, ils sont en train de perdre, c'est hyper serré là, vous voyez, il passe par-dessus le mur, il claque l'assaillant. Magnifique, bien joué à toi, il fait 5 frags, il permet à son équipe de remporter la partie. Un gros GG, c'est le genre de super qui est hyper important dans une partie les gars. Il permet à son équipe de gagner, on est en bannière de fer, c'est impeccable, il prend tous les bonus d'XP. Bien joué à toi, un gros GG. Et à la première position, on se retrouve avec Redmorn. Alors Redmorn, il a violé l'adversaire les gars, vous allez voir, il les a violés. Il y a même un mec qui l'a, vous allez voir, c'est impressionnant. Il commence... 4 frags à l'assaillant, ça passe crème, on est en suprématie, il prend les médailles, bien évidemment, faut gagner la partie, il a bien raison, surtout que le score est assez serré, il voit que les menus sont lourdes, arrive, il a plus de super, c'est pas grave, il y va quand même les gars. Il lance la petite grenade, franchement ça fait plaisir, petite grenade électrique sur le mur, hop, il fait 2 frags aux pompes, il repasse dans la grenade, il y a un troisième ennemi qui meurt dans sa grenade. Il en tue un quatrième avec son fusil à pompe. Le dernier, il a compris que c'était fini. Il le salue, il le tue. 5 frags à la suite. Il y a 9 frags dans le clip, les gars. Un gros GG à toi, Redman. Franchement, c'était magnifique. GG, franchement, j'ai kiffé ton clip. Alors voilà les potes, c'est déjà la fin de ce top 10 et mon dieu franchement c'était du lourd, merci beaucoup pour vos clips, j'ai adoré les regarder. N'hésitez pas à envoyer vos clips les gars pour le top 10 du mois de décembre, en fonction des clips je ferai peut-être encore la même chose, peut-être par thème, voilà pourquoi pas. Ce qui est sûr c'est que je referai pas la même chose donc ça sert à rien d'envoyer des multi-kills au super si vous en avez, je vais essayer quand même de varier un petit peu les top 10. En tout cas franchement j'espère vraiment que ce top 10 vous a plu, moi je l'ai trouvé vraiment très lourd. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes. Prenez soin de vous. Tchuss.